18 from verse 1 to 8. And he spoke a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded men. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while. But afterward he said within himself, though I fear not God, no regard men, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge says. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, shall he find faith on earth? Amen. Thank you. In English, did you get it in English? En anglais, est-ce que vous avez compris? Okay. Would you read it again, please? Est-ce que tu peux le relire? Amen. And he spoke a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded men. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of my adversary. And he would not for a while. But afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard men, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge says. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, shall he find faith on earth? Amen. Thank you. In French. Français. Je lis la parole. Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, faites-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Will God give justice to his elect? Qui crie à lui? Who cries to jour him et nuit? Night and day. Et tardera-t-il à leur regard? Will it take time regarding them? Je vous le dis. I tell you. Il leur fera promptement justice. He will do justice to them promptly. Mais quand le Fils de l'homme viendra, but when the Son of Man will come, trouvera-t-il la foi sur la terre? Will he find on this earth anyone with faith? Father God, we thank you today again. Père, nous te disons merci encore aujourd'hui. It's by your help. C'est par ton aide. By the divine help. Par ton aide divine. By the Paracletos. Par le Paraclet. That we can speak. Que nous pouvons parler. For you. Pour toi. Allow us to receive today. Permets-nous de recevoir aujourd'hui. What you have breathed out. Ce que tu as soufflé. In Jesus' name. Au nom de Jésus. For restoration. Pour la restauration. For regeneration. Pour la régénération. Transformation. La transformation. Deliverance. La délivrance. The healings. La guérison. Elevation.
l'élévation, prosperity, la prospérité, breakthrough, le déblocage, in Jesus name, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. I say alléluia today. J'ai dit alléluia. Amen and amen. Amen. We are talking about a parable today. Donc nous parlons d'une parabole aujourd'hui. Nous parlons d'une parabole aujourd'hui. We're talking about a parable today. Il y a plusieurs paraboles dans la parole de Dieu. There are many parables in the word of God. Aujourd'hui, nous prenons une d'elles. And today we are taking one of them. Celle du juge unique. The one with the judge. Une parabole. A parable. C'est un récit allégorique. Allegorical story. Ok, un récit allégorique. Allegorical story. Qui explique des réalités spirituelles, des vérités spirituelles. That explain spiritual realities, truth realities, spiritual. En utilisant les choses de la vie de tous les jours. By using things of every day. C'est-à-dire en utilisant les situations de la vie de tous les jours. It means that using the things of everyday situations. A parable. Voilà, c'est ce qui utilise les choses de la vie de tous les jours. That is what is we are talking about things of everyday. Pour donner des vérités bibliques. To give biblical truth. Alléluia. Donc today, aujourd'hui, on va parler de la parabole du juge unique. So today we want to talk about the parable of the judge. Mais le but de cette parabole est clair. And the goal of this parable is clear. Et c'est écrit dans la Bible. And it's written in the Bible. On dit il a donné cette parabole là. So the Bible says he gave that parable. Pour dire. To say. Pour montrer. To show. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. That you have to pray every day and do not you have to keep praying. So he gives this parable. So il a donné cette parabole. To show. Donc pour montrer. That you ought to pray every day. Que tu dois prier tous les jours. And never. Et ne pas. Cease. Give up. Se relâcher. En grec, le mot se relâcher là. In Greek, the word cease. C'est se décourager. Is to discourage. Donc le but de cette parabole. So the goal of this parable. C'est de prier toujours. Is to pray. Always. Et ne point se décourager. And never give up. Never get discouraged. Faut entendre celui qui est près. Just agree with the one near you. Dis-lui ce que on a dit. Tell your neighbor what we just said. On a qu'à s'entendre avant. Let's agree before continuing. Parole n'est pas bon. On veut être d'accord sur ce qu'on a dit. We want to agree on what has been said. Maman, on va aller derrière. Maman, c'est une patte devant aussi. Alléluia. Stéphane, on est d'accord? Do we agree, Stephen? Qu'est-ce que la parabole dit? Quel est le but? So what's the goal of the parable? Premièrement. La première chose était. No, that's not the first thing. Pray always. Priez sans cesse, toujours. Ok, now second thing. La deuxième chose. Ne pas se décourager. Do not get discouraged. Alléluia. Donc déjà si Jésus dit ça. So now if Jesus said that. C'est que dans l'histoire récente. It means that in that recent story. C'est que dans son temps là. It means that in his time. Il y avait beaucoup de gens qui priaient. They had a lot of people who were praying. Mais pas praying, but not always. Et c'est qu'il y a des gens aussi. And they had people also. Qui priaient. That were praying. Mais qui se décourageaient. But they were getting discouraged. Avant de continuer, aidez-moi. So, before continuing, just help me. Help me out. Près de toi, si c'est just net, ask someone near you if it is his case. Est-ce que tu pries tous les jours d'abord? Do you pray every day, first of all? Alors quand tu pries, est-ce que tu te décourages? So now, if you pray, do you get discouraged? Do you give up? Ne cherche pas par là, demande calmement. Just ask quietly, calmly. Alléluia. I say alléluia now. Ok, alors d'un côté. So on one side. Ça, cette parabole-là, met dans la situation d'un côté. In that parable, on one side. D'abord, on parle du juge unique. Now we are talking about a wicked judge. C'est-à-dire méchant. A wicked judge.
qui ne craignait pas Dieu. He didn't fear God. Et il n'avait pas d'égard pour les gens. He didn't care about people. Alléluia. D'un autre côté, c'était une femme veuve. And then on the other side, it was a widow woman. Déplorable. A widow woman. Mais qu'on avait abusé. That they, she got abused. Et elle voulait qu'on lui fasse justice. And she wanted justice. Et pendant longtemps. And for many days, many pendant days, longtemps. For a long time. Ce juge la refusa. That judge refused. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est quoi? So today, what we want to do, c'est mettre en évidence comment cette femme-là, is just to point out how that woman, cette veuve, that widow, a fait plier ce juge-là, made the judge bow down, pour lui donner de lui rendre justice, to give her justice, pour l'amener à lui rendre justice, to bring him to give her justice. On veut analyser la parabole. We want just to analyze the parable. Deuxième élément. The second thing. On veut montrer l'observation du Seigneur. We want to show the observation of the Lord. Parce que le Seigneur a donné l'observation très 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 délicate. Because the Lord gave a delicate observation, very delicate observation. Une observation qui est même souvent pas insultante, mais qui donne à réfléchir. An observation that give that makes you think. Et en troisième lieu, thirdly, ou du moins enfin, finally, on va aussi voir la solution que le Seigneur lui-même préconise. We want to see the solution that the Lord is giving. Alléluia. Donc voilà deux entités. So there's two entities qui sont paradoxalement opposées. They are opposed paradoxically. Dans la société. In the society. Un juge unique. A wicked judge. D'abord, c'est une autorité dans la société. So this is an authority in the society. Le monsieur, il était riche. This man was rich. C'était un juge. He was a judge. Socialement, il était élevé. Socially, he was up. Ça, c'est dans la société. This is in the society. Non seulement ça. Not only that. Il n'avait pas d'égard pour personne. He didn't care about anybody. Parce qu'il avait les moyens même de sa politique. Because he had the means of his policy. Et la deuxième chose, and the second thing, cet homme-là, that man, il ne craignait même pas Dieu. He didn't even fear God at all. Et de l'autre côté, and the other side, il y avait une femme pauvre. You see, you have a poor woman. Apparemment. Apparently. Parce que selon sa condition sociale. Because according to a social condition, elle était veuve. She was a widow. C'est-à-dire que son mari est décédé. It means that she lost her husband. Donc on voit déjà même qu'elle n'avait pas d'aide. We see that she didn't have any help. Parce qu'il n'y avait personne même pour l'introduire. Because there were nobody to introduce her. Mais qu'on avait encore abusé dans la société. That she got abused in the society. Donc elle demandait qu'on fasse justice. So she needed justice. She was asking for justice. Donc c'est dans la ville là. So it means in that town. Les deux personnes ne pouvaient pas se rencontrer facilement. Those two people cannot meet easily. Parce que le juge unique là. Because that wicked judge. Lui il a une voiture. He has a car. Peut-être que même il y a des protocoles pour lui. Maybe he has protocol around him. Ou du moins on peut dire il est en train de charrette. Maybe he had a guard around him. Et puis des gardes autour de lui. He had guards around him. Mais la femme là. But that woman. Là où elle va faire son marché, là, le juge là, n'est pas là. Where she goes to the market, there's no judge over there. Et le juge quand lui fait ses achats. Because the judge when he goes to shop. C'est dans les quartiers huppés. He goes in the neighborhood, the suburbs. Donc la femme là quand elle fait ses achats. And that woman when she goes shopping. C'est dans les logo là. She goes in the ghettos. Donc il n'y a même pas de chance pour se rencontrer. Because there's no chance here to those two people meet. Ou dis au moins si je le vois au carrefour, je vais lui parler. To say oh. At least if I see him on the street, I will talk to him. Je sais pas si on se comprend. Do we understand each other? Donc c'était vraiment difficile. So it was very difficult. Maintenant on peut dire. Now we can say. Elle voulait avoir justice. She wanted justice. Elle voulait avoir justice. She wanted justice. Mais on pouvait quand même voir des personnes pour intervenir auprès du juge. But she could have seen some other people to intervene to the judge. Mais même ça, ce n'était pas possible. That it wasn't possible either. Parce qu'on dit. Because we say. Il n'avait d'égard pour personne. He didn't care about anybody. Donc la femme ne pouvait pas aller voir un quelqu'un pour venir le voir pour faire justice.
So that woman cannot see somebody to come sit on judge to have justice. Non, c'est pas tellement possible. No, it wasn't possible. Un autre élément aussi. Another thing. On peut dire comme c'est dans une société religieuse. We can say that if it's in a religious society. À cause de Dieu quand même. Because of God, at least. Comme Dieu égale aux veuves. Because God cares about widows. Même si ce juge là n'a été égal pour personne. Even though that judge doesn't care about anybody. À cause de Dieu. Only because of God. Il peut la recevoir. He can receive her. Même Dieu aussi s'en foutait. Even God, he doesn't care. He doesn't fear God. Mais à la fin du match. But at the end of this game. J'ai dit à la fin du match. At the end of this game. La femme qui n'avait personne là. That woman who didn't have anybody. Elle avait quelque chose. Hein? She had something. À la fin du match. At the end of that game. Le juge l'a été plié pour that faire sa volonté. That judge just bowed down for her will. Je ne sais pas si tu me comprends. I don't know if you understand me. Je ne sais pas s'il y a des maladies dans ton corps. I don't know if there's sickness in your body. Ou s'il y a des blocages dans ta vie. If you have a blockage in your life. Qui n'ont pas d'égard à personne. They don't care about anything. C'est-à-dire qu'il y a des maladies là, ça ne respecte personne. It means that you have sickness that doesn't respect. Tu es riche ou la maladie t'atteint. You are rich, you are sick. Tu es pauvre, ça peut t'atteindre. You are poor, you can have be ça, sick. Ça c'est des maladies qui n'ont pas d'égard pour personne. Those are sickness that doesn't care about anybody. Parce qu'il y a des maladies au moins quand ça vient. Because there are some sickness that even when they come, ton argent te débarrasse de ça. Your money can get rid of it. Mais il y a des maladies là. But there are some sickness. L'argent ne moyen pas. Money doesn't do anything to them. Pas. Human being cannot do anything donc, to them. Que je veux te dire so what I want to tell you today, si y a des blocages dans ta vie, if there's blockage in your life, des maladies, sickness qui n'ont peur de personne, that doesn't fear anybody, qui n'ont même pas peur de Dieu, that even doesn't even fear God, bientôt ça va plier. Soon they will bow down in the name of Jesus. Alléluia. I said soon they will bow down. J'ai dit bientôt ces maladies vont plier. Prends cette parole aujourd'hui. Take this word today. Bientôt ces blocages là vont s'effriter. Soon those blockages will disappear. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette femme l'a fait plier le juge. So that woman make the wicked judge bow down. Et c'est pas elle qui a donné le témoignage. And she didn't even give the testimony. Elle n'est pas allée au quartier pour dire n'a pas dit peu. She didn't even go to her neighbor to say, oh, see that judge. C'est le juge là lui-même. That it was that the judge himself who came to speak for her. C'est lui-même qui a rendu témoignage. He himself gave the testimony pour dire, écoutez, to say, listen, quoi que je ne pas d'égard pour personne, even though I don't care about anybody, moi que même Dieu je ne crains pas, even though I don't fear God, mais à cause de la manière dont cette veuve m'importune, because of the way that widow worries me, je vais lui faire justice. I will give her justice. Pour ne pas qu'elle vienne me casser so la that she will not come and weary me. Sans cesse. With no tiredness. Donc pour dire que. Just to say that. C'est le juge lui-même. It was that judge himself. Qui est venu capituler devant la femme. Who came and bowed down in front of the woman. C'est lui-même qui a jeté l'éponge. He was the one who just. Throw the sponge. Pour dire non. To say no. Je ne peux plus continuer. I cannot go again. La femme là. That woman. La femme là. That woman. Elle m'a vaincu. She has defeated me. Est-ce que je comprends? C'est possible de comprendre. Alléluia. Bon, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'efforts à faire. So there's some people who doesn't have to do too much effort. Mais c'est la maladie même qui a parlé. But their sickness will talk themselves. Pour dire, j'ai quitté la maison de cette femme-là. Their sickness will say, oh, I left on that woman's house. Seigneur, je crois qu'il y a l'immigration même qui doit envoyer des lettres. I think that immigration, they have to send letters. Il y a des sorciers qui vont appeler pour dire, je demande pardon. Some sorcerer will call you and ask you for forgiveness. There is a witch doctor that will call to say I'm sorry. Il y a des sorciers qui vont vous appeler pour s'excuser. I cannot go anymore. Je ne peux plus continuer. I cannot follow this person anymore. Je ne peux pas suivre cette personne encore. There is some sickness that take my microphone to say I'm tired. Il y a des maladies qui vont prendre des micros pour dire je suis fatigué. I cannot go out of this body. Je dois sortir de ce corps. Alléluia. You see, that's what we're talking about today. Donc vous voyez, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, prenons l'observation du Seigneur. So let's take the observation of the Lord. Vous voyez? You see? Il dit, Dieu dit, le Seigneur dit, regardez. And the Lord say, look. Un juge qui est méchant. A wicked judge. Mais il a plié. But he bowed down. Il a plié. He bowed down. Devant la femme là. Before that woman.
Est-ce qu'on me comprend? Amen. Do you understand? Mais pourquoi Dieu a mis en évidence ça? But why did God point that out? Il a sorti l'observation. He just took out the observation. Comme s'il répondait à quelqu'un. Like he was responding to, answering to somebody. Mais écoutez bien. But listen carefully. Il dit, un juge qui est méchant. He said, a wicked judge. Il a capitulé. He bowed down. Mais comment Dieu ne peut pas rendre justice? But how can God cannot give justice à ses élus? To his elect. Qui crie à lui? That cries to him. Jour et nuit. Night and day. Tardera-t-il? Will it take time? Je vous le dis. I tell you. Promptement. Promptly. Il leur rendra justice. He will give them justice. Attendez, donc ça veut dire quoi? What does it mean? Quelqu'un a regardé beaucoup de chrétiens. So somebody just stand and look at many Christians. Et puis il a regardé les élus. And he watched the elect. Parce que les élus sont différents des appelés. Because the elected are different from the called, the one who are called. Parce que la Bible dit beaucoup sont appelés. Because the Bible says many are called. Mais few are elected. Mais peu sont élus. But elected people. Donc les élus, ce sont ceux qui tu pries devant Dieu. Those are the ones who if they acquire a price and value before. Oh, ce sont ceux qui ont des un prix devant Dieu. C'est-à-dire ils ont montré à Dieu qu'ils ne prennent pas Dieu comme n'importe quoi. They because they show God that they don't take him lightly. Ils ont montré leur amour à Dieu. They show their love to God. So those people, ils sont précieux pour Dieu. They are precious for God. Bon, on va arrêter là d'abord. Let's just stop here for now. On dit que Dieu appelle beaucoup dans sa maison. To say that God calls many in his house. Mais parmi ceux que Dieu appelle. But among those who are called, choisis d'impressionner Dieu. Just choose to impress God. You have to be elected. Tu dois être élu. If there is a town, si une ville, and we want a mayor. Et on veut un maire. We have to go through election. On doit passer par les élections. So many candidates can be. Donc il y a beaucoup de candidats qui peuvent être maires. No, but we have to elect them. Mais on doit les élire. Only those who are elected will run the city. Seulement ceux qui sont élus vont s'occuper de la ville. Now, a lot of people are coming to church. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Now, are you those among everybody that came? That can be elected. Yes. Est-ce que tu es parmi ceux toutes les personnes qui viennent et qui pourraient être élus? Because yes, for you to be elected, you have to meet the requirement. Parce que pour que tu sois élu, tu dois répondre aux attentes. Of God. De Dieu. You know how God wants you to do. Tu sais comment Dieu veut que tu fasses. You know what pleases God. Tu sais ce qui plaît à Dieu. Ask to somebody. Demande à quelqu'un. Can you be elected? Est-ce que tu peux être un élu? Demande à quelqu'un. Demande à quelqu'un. Amen. Ne te décourage pas maintenant. Do not get discouraged. Que le plaisir n'est que de toi. Parce que là, c'est devenu tout calme. Ok, everybody is elected. Ok, tout le monde est un élu. Avec moi, c'est bon. Alléluia. Ok, so we elected are very precious to God. Donc les élus sont très précieux à Dieu. Alors parmi les élus là. So among the elected. Tous les élus là. All the elected. Quelqu'un a regardé. Someone looked. Ils étaient en train de crier à Dieu. They were crying to God. They were calling God. Dieu, rends-moi justice. God, give me justice. Give me Dieu, justice. Donne-moi ça. Please, God, give me this. Dieu, délivre-moi. Please, God, set me free. Oh, Dieu, guéris-moi. Oh, God, heal me. Oh, Dieu, guéris-moi. Oh, God, heal me. Des gens précieux pour Dieu. Some precious people for God. Que quelqu'un m'a dit, ils étaient en train de crier. That someone was watching. They were crying to God. Mais en fait. But actually. On voit qu'il n'y a pas de réponse. We see that there's no answer.
Ce qu'ils demandent là, on voit. What they are asking for, we don't see it. Donc c'est comme si la personne allait devant le Seigneur. Seigneur, mais je comprends pas. So it looks like the person goes before God and he says, I don't understand, Lord. Ce sont des élus. They are elected. They are elected people. Jour et nuit. They are crying to you. They are calling you night and day. Mais le Seigneur n'agit pas. But the Lord doesn't manifest. Doesn't act. Et le Seigneur maintenant va dire, ah. And now the Lord will say, no. Regarde le juge unique. Look at the wicked God, the judge. Une femme comme ça, elle l'a fait plier. A woman like that made him bow down. Mais c'est pas Dieu qui est bon. This is God who's good. Et Dieu qui est bon. Oh, God who is good. Comment Dieu peut pas faire? À ses enfants. How cannot God give justice to the children that He loves? It means that there's something. Si Dieu va faire rapidement justice. Because God will give justice quickly. Mais si tu vois que ça marche pas là. But if you see that it doesn't work. C'est qu'il y a quelque chose. It means that there's something. Il va donner la solution. And He will give the solution. Il dit mais quand le Fils de l'homme viendra. But now He say that when the Man of God will come. Trouvera-t-il la foi? Will He find faith on earth? Ça veut dire quoi? What does it mean? Beaucoup de gens que Dieu aime. So it means that many people that God loves, qui aime Dieu aussi, who loves God as well, continue encore de crier. They're still continuing to cry to Him, call Him up. Jour et nuit. Night and day. Ils prient. They pray. À Dieu. To God. Et maintenant, ça fait qu'il y a des gens, peut-être leur famille même se demande. So it becomes as their own family they ask themselves. Leur femme ou leur mari se demande ton Dieu là. Maybe their husband or wife, they're your God. I don't understand you, God. Toujours qui dit ton Dieu là. Every day you say my God, my God. Peut-être même dans leur quartier on se demande. Even in their neighborhood, they probably ask themselves, what's going on? Non, mais tu vas te décourager. No, do not get discouraged. Just. Ne te décourage pas, on va voir la solution. Do not get discouraged. We're gonna see the solution. Alors donc le Seigneur maintenant répondait à la personne. So now the Lord was answering to the person facing him. Il dit non, c'est une question de foi. It say no, this is a matter of faith. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? Maintenant quelle est la clé de la femme, la veuve? Quelle était sa clé? So now what was the key of that widow? Qui est? On peut la faire sortir son cœur. Quelle était sa clé qui répond aussitôt à la raison pour laquelle Jésus a donné la parabole? What was the key of that woman that answered right away to the faith of the woman? Perseverance. She has perseverance. C'est-à-dire, elle priait toujours. It means that she was praying always. Sans se décourager. Without giving up. On voit le tableau. Now. Bon. Maintenant regardez. So now see. On dit elle priait toujours sans se décourager. They say she was praying every day without giving up. Mais quelle était sa force, frère? What was her strength, brother? La femme là. That woman. Elle n'a pas allé à Dieu toujours. Hein? She didn't go to God always every day. C'est à qui elle allait? Where was she going to? Non, tu m'as pas compris. You know, you didn't understand me. C'est vers qui elle est partie? Yes. Where she went? Where did she go to? Elle n'est pas allée à Dieu. She didn't go to God. Elle n'est pas allée à Dieu. She didn't go to God. Elle n'est pas allée à Dieu pour dire oh Dieu. She didn't Dieu. Go to God and to say oh God, oh God. Mais pourquoi tu me fais ça, Dieu? Why are you doing this to me, God? Dieu ne t'a rien fait. God didn't do anything to you. Au contraire. In the contrary. Quand Jésus a répondu à la question. When Jesus answered the questions. Quand un saint. When a saint. Quand toi. When you. Nous là. Us. On va à Dieu. We go to God. Et on lui demande quelque chose que lui-même il approuve. And we ask something that he agrees to. Aussitôt il donne ça. Right away he give it to you. Dieu n'a pas tant, il n'a pas besoin que tu pries, tu cries. God doesn't need you to cry, to yell, to do everything. Ah, maintenant je vois. And then he will say, oh yes, now I see that you love me. No. Ça c'est Machiavelli. No, this is Machiavelli. C'est comme si un papa a du pain puis fait à son enfant. It means like it looks like a father has bread and he does like to. Sur le pain. To your. Bien. So the father has a bread and he does that to his children. Oh. He does that with the bread. And then he eats it. No.
See, this is what we used to do when we were kids with our brothers, and then we eat their food. But Dieu ne peut pas faire ça. Si à quelqu'un, Dieu ne peut pas faire ça. Moi, le bébé, attention. Non, non, non. Écoutez, ce qu'il t'a donné là. What he gave you. Quand tu as demandé, c'est oui et amen. When you ask, it's yes and amen. Sois sûr seulement que tu es biblique. Just be sure that you are biblical. Regarde la Bible quand tu trouves ta fondation là. Just look at the Bible when you found your foundation. Tu es d'accord avec Dieu pour ça. You agree with God with that. Tu vas maintenant sur le terrain. You go on the field now. La femme là. That woman. Elle savait. She knew. Que Dieu est avec les veuves. She knew that God is with the widows. Que Dieu lui dit. That God is telling her. Moi là. Me. Je dis je serai ton défenseur. I say I will be your defender. C'est tout ce qu'elle avait. That's it. That's all donc, she had. Après ça. So after that. Elle allait maintenant chez le juge. So she went to the judge. En se disant. By saying that in her mind. Dieu qui en haut là. That God who is upstairs. A déjà donné la réponse. Just gave the answer already. Le juge doit finir par se soumettre à Dieu. That judge has to bow down. Est-ce que tu me comprends? Do you understand me? On a vu Ézéchias la semaine passée. We saw Ezekiah last week. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Quand il allait au mur. When he went to the wall. Le prophète n'a même pas sorti de la campagne. The prophet didn't even get out. Dieu a donné la réponse. God gave the answer. Yes. 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 Dieu donne. God gives. Il fait pas corrompre aussi. Hey, he doesn't play with you. No. Est-ce que tu me comprends? Do you understand me? Alléluia. On a vu Daniel. We saw Daniel. La Bible dit. The Bible says. Le jour que tu as accepté de comprendre. The day that you accepted to understand. Et que tu acceptes de t'humilier. And you accepted to humble yourself. Le même jour là. The same day. Dieu a donné la réponse. God gave the answer. Bon. Maintenant à partir de Daniel. No, now from Daniel. On a vu maintenant quel était le problème de beaucoup de chrétiens. And then we saw that what was the problem of many Christians. Dieu a donné la réponse. God gave the answer. Mais la réponse là. But the answer. Daniel qui est là. Daniel who is right there. La réponse avant d'arriver. Before the answer can go to Daniel. Il y a un esprit. There's a spirit. Qui était sur la région où Daniel était. The spirit, there was a spirit who was on the region where Daniel lived. C'est lui qui est venu bloquer. He came and blocked the answer. L'ange qui venait envoyer la réponse. He blocked the angel who was supposed to give the answer to Daniel. Sinon Dieu lui a déjà donné. But God gave him the answer already. Il fallait que Daniel. So Daniel has to continue dans la prière. Has to continue in prayers. Pour que l'ange là. For the that angel. Il ait secours. He can have help. Do you understand? Est-ce que vous me comprenez? Parce que le démon qui va bloquer la réponse. Because the demon who will block your answer. Il peut venir avec des éléments. He can come with his people too. Il peut venir avec des raisons qui dans ta vie lui permet de bloquer la réponse. He can come with some reason in your life that allow him to block your answer. Quand Satan est arrivé à Dieu, il a dit à Job. When Satan went to God. Il a voulu que Dieu perde Job. He wanted God to lose Job. Et Dieu a dit, mais pourquoi tu veux que je le perde sans cause? And God asked him, why do you want me to lose him without any cause? Ça c'est Job. That this was Job. Mais peut-être toi tu n'es pas trop comme Job. Maybe you are not like Job. Peut-être il y a des petites raisons que tu as donné à Satan. Maybe you gave some little reason to Satan. Ou à des démons qui sont dans ton quartier. Or some demons that who lived in your neighborhood. Et les démons qui sont dans ton quartier, ils savent, ils te connaissent. Because demons who are in your neighborhood, they know you. Il sait comment tu fais dans la maison. They know how you do in your house. Il sait quand tu comptes ton truc. Ah non, attention. Il sait quand tu. Il sait quand quelqu'un t'appelle au téléphone. He knows when somebody calls you on the phone. Yeah, how are you? And you, on dit quoi? Okay, bye bye you. Okay, au revoir. And then you start sucking your teeth. Lui, il voit ça. He sees that demon sees it. Il sait quand tu es devant ton miroir. He sees you when you're in front of your mirror. Et tu regardes. And you look at yourself. Au lieu de faire comme un prince devant le miroir. Instead of doing it as a prince in front of the mirror. You just do that in front of you. You look at your face like that. Devant le miroir.
in front of the mirror. You do that. Just act like as a prince in front of your mirror. And you just do that. You are not by yourself. Nous sommes entourés de plusieurs témoins. The Bible says that we are surrounded with a lot of witnesses. With many witnesses. When we say witness, il y a des démons dedans. There are demons included. Donc ils te voient aussi dans le noir. So they see you in the dark. Ils peuvent venir t'accuser. They can come and accuse you. Donc c'est ce genre de démons. So these are those kinds of demons that will come. Pour bloquer certaines réponses. To block certain answers. Maintenant, sinon Dieu a déjà donné. So God already gave the answer. Maintenant, les chrétiens dont Jésus parlait. Now the Christians that Jesus was talking about. Hey, Dieu. They pray, oh God. Pourquoi tu fais ça? Why do you do that, oh God? Hey, pitié. Oh, please. Dieu dit, mais c'est pas ça. God said, what's that? Dieu n'a pas de problème. God doesn't have any problem. Ne te décourage pas. Do not get discouraged. Maintenant, ce que tu fais. Now, what you have to do. Tu ne vas plus à Dieu. You don't go to God anymore. Mm. No. Tu commences à glorifier. You start glorifying God. En disant aux ces démons là. By saying to those demons. En parlant aussi aux anges. And talking to the angels as well. Tu donnes recommandation aux anges. You gave recommendation to the angels. Et tu donnes la parole de Dieu aux démons. And you give the word of God to the demons. C'est ça. Alléluia. Keba. That's it. That's the solution. Dieu a déjà donné. God already gave. Guérison, tu as déjà donné. Healing, amen. Mais pendant qu'on dit prier sans cesse. When we say pray, pray. Comme la manière dont la femme est allée au juge unique. Like the way that the widow went to the wicked God. Toi, tu vas contre cette maladie. You go against that weakness, that sickness. La parole de Dieu déclare que par les stripes. And you say that the Bible says by His stripes. Nous sommes guéris. We are healed. Maladie, tu dois quitter ma vie. Sickness, you have to get out of my life. Mon corps ne t'appartient pas. My body doesn't belong to you. Maladie dit oui, mais the sickness will say, okay, mais, yes, but you eat too much. Je peux rester. I can stay. Parce que tu parles comme ça, mais après tu as la gourmandise. Because you talk like that today, and after that you would like to eat. Tu dis je suis d'accord. I say I agree. Mais je vais te dire une chose. But I will tell you something. Qui me condamnera? Who will condemn me? Qui m'accusera? Who will accuse me? Attends maladie. You. Pardon Dieu à cause de la gourmandise. Oh please God, I know I eat too much. I will not eat that much. Maintenant tu dis quoi? Now you talk to the sickness now. Get out of my life. Get out of my body. Je sais pas combien de temps ton corps. I don't know. Je ne sais pas combien de temps ton combat va prendre. God is not the problem. Dieu n'est pas le problème. You have to command to demon powers. Tu dois commander aux puissances démoniaques de sortir. The truth has to become reality. La vérité doit devenir la réalité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? By the word of God. Par la parole de Dieu. You're gonna make give some juice to these angels. Tu vas donner du jus à ces anges là. For these angels. Pour que ces anges. To have strength. Pour qu'ils aient la force. Continue to pray. Continue de prier. Continue to live in holiness. Continue de vivre dans la sainteté. Repent again. Repent. Repent again. Repent-toi toujours. The demon comes to say, oh, I saw you yesterday. Les démons viennent pour te dire, oh, je t'ai vu. 2 months ago. Je t'ai vu il y a 2 mois. You messed it up. Non, tu as gâté le coin. Oh yeah, you was right. Oui, tu as raison. But who was what? Mais oui, tu as raison. I have a high priest at the right hand of the Father. J'ai un grand sacrificateur à la droite du Père. J'ai quelqu'un à la droite de Dieu. I have somebody at the right hand of God. Et ça s'était passé. And that it was past. It's past already. I decided to go forward. Je veux marcher maintenant comme Dieu veut. I want to walk as God want me to walk. Les choses anciennes. The old things. Old things. Les choses anciennes. Sont passées. And that demon who was right there, he would say, oh, maybe he's right. He said, oh no, give me something, give me something. Give me something to attack her. Just send demons in her room, in his room. Just discourage him with thoughts. Will you let yourself discourage? Watch what? God has given radio. Dieu a déjà donné. If you don't take what God has given, si tu ne prends pas ce que Dieu a donné, you are wasting the gifts of heaven. Tu
tu gaspilles le cadeau du ciel. Parce que ça, là, Satan peut prendre pour utiliser ça. Because Satan can definitely use it against somebody else. Ta prospérité, elle peut envoyer pour donner. Prosperity, can, he can definitely give it to somebody else. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Speak it into existence. Donc tu dois le parler à tu l'envoyer à l'existence. You have to speak it. Tu dois le parler. What you speak is what happened to you. Tu dois le proclamer. La Bible dit ce que tu dis, c'est ce qui t'arrivera. Yes. Est-ce que tu me comprends? Yes. Do you understand me? Est-ce que tu me comprends? Do you understand me? Tu dois participer à la création. You have to participate to creation. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'est pas le problème. God is not the problem. Yes. Oh yeah. Donc en même temps maintenant. So at the same time. Tu dois montrer. You have to show. Jésus a dit, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Because Jesus said, will I find faith on earth? Tu dois donner des éléments aux anges. You have to give some element to the angels. So, quand te voit, so when they will see you, le juge là, that judge, chaque matin son cœur battait. Every morning his heart was beating, racing. Il sait que la femme l'a venu. Because he knows that widow will come and bother him. Il n'a pas la force. He doesn't have strength. Oh, she doesn't have strength. Elle a la fidélité. She only has faith. Alléluia. Kéba. C'est là-bas, elle va toujours. A place of worship, that's where she goes always, every day. She knows what she asks for. Elle est sûre que Dieu a déjà donné. She's sure that God gave it to her already. Et ça, c'est pour elle déjà. And it is for her already. Si Dieu a déjà donné, if God already gave it to her, tu vas me donner ce que Dieu m'a donné. You will give me what God has given me. Dieu va utiliser les circonstances. The devil will use circumstances to discourage you. Look at Peter. Regardez Pierre. Jésus lui a dit, viens en marchant sur les eaux. Jesus told him, come walking on the waters. Jésus a dit, Jesus already gave. Mais quand il est parti, but when Peter was stuck, went. Le miracle a commencé. The miracle started. Mais le diable a cherché quelque chose pour chercher. But the devil looked for something pour le distraire. To distract him. And when he turned around and looked at it, devant Jésus, before God, in front of Jesus, he starts sinking. C'était-il le problème? Was it God the problem? No. Was who? C'était qui le problème? Lui-même. C'était lui-même le problème. He could have said, no matter how storm, how high you are. Il pouvait dire, peu importe la grandeur de toi, tempête. No matter how hard. Peu importe ta force, ta puissance. I know my God told me to come. Je sais que mon Dieu m'a dit de venir. Alléluia. Donc, moi, Dieu m'a parlé déjà. Me, God already spoke to me. Donc, les gens parlent ou ça crie ou. No matter what people say, yelling, whatever. Je sais que je m'en vais quelque part. I know that I'm going somewhere. Devant Dougou. I already make all my plans already. Donc j'ai déjà fait tous mes plans. My computer is filled up. Plan is there. Mon ordinateur est déjà rempli. Mon plan est là. Même déjà quand ma bite. Even though I dress up, I'm dressing up for tomorrow. Donc j'ai vu, je vois, mais quand je vous regarde. So when I see you guys. J'ai dit bon, des milliardaires peuvent venir. C'est bon. I say oh, some billionaires can come. C'est bon. It's good. Je vais prendre. I will take it. Mais je veux un milliardaire qui vient, puis un milliardaire qui s'élève du milieu de Dieu. A billionaire that is coming from outside and a billionaire that is coming from here, it's different. Parce qu'un billionaire se lève. Because if a billionaire gets out of here, us. Donc il sera. Keba. Il est de la maison. He's from the house. Dieu le sait. Quand je vois des chrétiens qui étaient dans la télé. When I see some Christians in the church that were like this. And then after that, there are directors, managing directors of companies. Et puis après, sont lawyers. And then after that, there are lawyers. Avocats. If I come in his office, I will not bother. Because I know him from before. I saw you when you were baby. Non, je sais, je te connais. Les millionnaires qui viennent de, les milliardaires qui viennent I de want some billionaires of the house. Je veux juste des millionnaires de la maison. Parce qu'on se connaît déjà. Because we know each other already. On s'est vu là déjà. We know each other already.
Alléluia. Tu es des saints, amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu es des saints. Amen. Alléluia. Tell to somebody. Dis à quelqu'un. When you gonna go? Quand tu vas te lever. Your security is not gonna stop me now. Ta sécurité ne va pas m'arrêter. Hein? No, tell to somebody. You didn't. Dis you cela à quelqu'un. When you're gonna be a big lawyer, a big millionaire, quand tu seras un grand milliardaire, un grand avocat, ta sécurité ne pourra pas m'arrêter. On se connaît déjà. I know you already. No, you know each other already. On se connaît déjà. Alléluia. Alléluia. Tu viens de savoir mon ami. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Because we are all together already. Parce que nous sommes déjà ensemble. Amen. Amen. Donc, est-ce que c'est le problème de Dieu? So, is it God's problem? No. Is it God's problem? Est-ce que c'est Dieu le problème? Non, non. Okay, what do you have to do now? Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Give me something. Donnez-moi quelque chose. Persévérance. Okay, now. Okay, you know what? You know what? Okay, let's finish it. Donc finissons-le. Let's finish it. You know, this is reality. Ça, c'est la réalité. It's not easy sometimes. C'est pas vraiment facile des fois. In Jesus' name. Vous dites au nom de Jésus. I command it to move. Je le commande de bouger. And tomorrow, what you have commanded. Et demain, ce que tu as commandé. Become more painful. Ça grave, s'empire. Ça commence à devenir plus. It gets worse. Donc, what do you do? Qu'est-ce que tu fais? C'est à Dieu, tu vas aller pour dire, hey Dieu. Will you go to God and ask him, why are you doing this to me? What are you doing? Qu'est-ce que tu vas faire? Tell me. What can do? Qu'est-ce que tu vas faire? Répondez-moi. You have already asked to God. Tu as déjà demandé à Dieu. When you ask to God, what God does? Quand tu demandes à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne. He gives. Ses promesses sont? Oui et amen. Yes and amen. Now, si Dieu a déjà donné, if God already gave it to you, you cannot afford to let anyone else to keep to take what God has already given. Tu ne peux pas permettre à qui que ce soit de prendre, de te voler ce que Dieu t'a déjà donné. That's even a sin. C'est un péché même. Parce que la Bible dit remets à César ce qui appartient. Because the Bible says give to Caesar what belongs to Caesar. Remets à Dieu ce qui lui appartient. And give to God what belongs to God. Et tête de somebody, remets à dit ton nom. Remets au docteur. And dis à quelqu'un give to say your name. Give to me what belongs to me. Say your name. La Bible dit la capture faite aux dépens du juste échappera. The capture against the righteous. Well, shall be taken away. Shall be taken away. Lui échappera et sera donné à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on se comprend? Do we understand? C'est qu'on t'a volé là. So what people stole from you? Ça doit te revenir. It has to come back. Si c'est ta santé, if it's your health, ça doit te revenir. It will come back to you. If it's your glory, si c'est ta gloire, it has to come back to you. Ça doit te revenir. If it is your money, si c'est ton argent, ça doit revenir. If it is your glory, your green card, your si c'est ta green card, ça doit revenir. Alléluia. Donc, tu as déjà demandé à Dieu, tu as dit non. So you already asked God and He gave it to you. Est-ce que pendant la prière, pendant le temps, entre le temps où Dieu a donné le temps où tu auras, est-ce qu'il peut avoir des difficultés? Okay, alors on va traduire, on traduit d'abord. So from the day you ask and the day of the accomplishment. Can you have some circumstances, some situations during that time? Yeah. You, can you have some difficulties in that time? Amen. During that time, you know that amen. Amen. Are you going to get some difficulties? Oh yes. 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 Everybody say yes. Ça va pas venir ou bien ça a le droit de venir. Le droit de venir. Will not come or is it does it have the right to come? Yes. Ça a le droit même. Difficulty has a right to come or no. Est-ce qu'il peut avoir une situation sans difficulté? Can you have a situation without no difficulties? No. Voilà pourquoi Dieu dit
this is why God says, même à Josué, il a dit, even to Joshua, he said, je te donne la terre promise. I give you the promised land. Il y a du miel là-bas. There's honey there. Il y a les raisins gros. There's raisins. Il y a des bonnes choses. There are good things. Il n'a pas dit il y a les géants là-bas. He didn't say there's a giants there. Il dit fortifie-toi. He just said strengthen, be strengthened. Et prends courage. And oh yes, be encouraged. Quelqu'un qu'on a béni. Someone who God just God just blessed. On lui dit sois fort. He's telling him be strong, be strengthened. Et sois courageux. And be courageous. Ça veut dire qu'est-ce qu'il attend devant? It means what does it mean? What does it mean? What is forward? Répétez. So now, when problems come, what did God say? God says, be strengthened and courageous. Sois fortifié, prends courage. Prie sans te relâcher. Pray without giving up. Est-ce que c'est clair? Amen. Pray without ceasing. Là, mon père était déjà. Now we can stop. Bon, maintenant. Now. Faut pas qu'on voit les traces du découragement sur ta vie. Let not anybody see traces of discouragement. S'il y a des traces de découragement, c'est que tu es découragé. If there is traces of discouragement, it means that you are discouraged. Tu peux pas dire non. You cannot say no. Donc, ce qui est dedans là, c'est ce qui va sortir. So what is inside will come out. C'est de l'abondance du cœur ou c'est de la bouche. It's from the abundance of the heart that the mouth speaks. C'est de l'abondance de la pensée là. It's from the abundance of your thoughts. Que l'homme sera. That man will be. Il est comme les pensées de son cœur. He is as the thoughts of his heart. Donc si tu crois, so Dieu if you believe that God already gave it to you, et que tu attends ta place, and you wait at your place, sans relâche, without ceasing, ça va se tourner. It will go around. Ça va tourner. It will go around. Et canton. Ça peut tourner. Et canton. Ça peut tourner. Et canton. Ça peut tourner. Ah, c'est canton, oh. Ça va tourner. Ah, c'est canton. Ça va tourner. Et sur la cama, chocolat. Ça va venir. Parce que le diable doit obéir à la parole. Because amen. The devil has to obey to the word. Alléluia. Amen. Amen. Assez alléluia. Amen. Assez alléluia. Amen. You have to show to the angel. Tu dois encourager les anges. You have to encourage the angel now. The angels. Parce que les anges là. Because the angels. Ils sont impressionnés par notre attitude. They are impressed by our behavior. Et puis ils peuvent être honnis. And they can be ashamed of our behavior as well. Voilà pourquoi on a dit devant les anges, vous femmes là, voilà des choses. Hommes aussi, voilà des choses. This is why they say, you angel, women hear our things, men hear things. Donc il faut que les anges là savent que ton Dieu là, tu le connais pour faire and des exploits. And the angel needs to know that you know your God to make to exploit. Exploits. Donc quand ça chauffe. So when it's hot over there, que tu n'as pas encore la solution. And you don't have the solution yet, que ton langage parle solution. Let your language speak solution. La pensée parle solution. Let your thoughts speak solution. Que ton démarche parle solution. Even your walk talk solution. You have to be serene. Non, je veux voir les gens s'élever. I want people to stand and walk and start speaking solution. À marcher solution. And